tu mets des mots sur ce que je ressens, vraiment c'est ouf. Well, now I have some money, but... Like it or not, I'm funny. Still in searching of my destination. I like to party. Living my way is arty. All I offer is my reputation. Hey, let's walk this way. Salut! Je te fais une entrée à la Marcus là. Il fait coucou! Il fait coucou! Je signe des livres pour le petit déjeuner. Papa s'est mis dans son petit t-shirt Hôtel Mafouf. Oui. Car. Car. Je sais pas, qu'est-ce que je dois dire. Non, parce que tu vas à la boutique? Ah bah oui, je vais à la boutique. Je vais apporter les bouquins signés. En fait, on a checké la météo et il va recommencer à faire assez chaud. Ouais. On a acheté plus de 400 gobelets pour donner de l'eau dans la file. Oui. Il y a aussi les glaces à distribuer. Et moi, je suis toujours pas coiffée, pas maquillée, en pyjama. Franchement, je comprends pas où passent mes journées. Quoi, même ton t-shirt, il a l'envers. Ou c'est exprès qu'il est. Je sais pas, je l'ai volé à Seb. Bon bah, tu me dis comment ça se passe à la boutique, moi j'y vais à la fermeture. Maintenant que nous sommes qu'entre nous et que mon papa est parti à la boutique, je peux vous dire salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau vlog d'août. Un vlog qui doute, c'est déjà le vlog 22 sur 31, mon dieu, on a dépassé la barre des moins 10. Oh non, ça passe vite. Bon, vous allez manquer. Alors, la dernière fois j'ai vu un tweet qui m'a fait beaucoup rire. Un tweet qui disait: c'est bizarre, on est à plus de la moitié des vlogs d'août et Léna n'est pas encore, petit A, soit tombée malade, petit B, n'a pas encore pété de câble en voulant être absolument seule. Là je suis plutôt en forme, franchement je me sens bien. Mais ce qui est vrai par contre, c'est que je commence à ressentir fortement l'envie d'être seule. Je vous explique, attention, commencez pas à comprendre ce que j'ai pas dit. C'est pas que je n'aime pas mes amis, j'adore, j'adore. Mais par contre, il y a un moment où j'ai juste envie de crier comme Kim Glow: sortez de ma chambre! Parce que j'ai besoin d'être seule en fait. Juste d'être seule pour pouvoir me recentrer. Ok, jusqu'ici c'est un mot plutôt vague qu'on aime bien utiliser sans forcément comprendre ce que ça veut dire. Petit 2, vider ma tête. Trop d'informations. La semaine dernière j'étais en train d'être scotchée au plafond. Puis ensuite on a eu 12 canards qui sont arrivés dans notre baraque. Ensuite j'ai deux potes qui se sont rentrés l'un dans l'autre dans un aquapark. Donc trop d'informations. Il faut que mon cerveau puisse stocker chacune des informations. Voilà, le scotch dans le dossier fou rire, le waterpark dans le dossier on ne refera plus ça. Sauf que là mes dossiers, c'était comme mon bureau d'ordinateur. Tu sais quand t'as pas encore mis dans tes dossiers. Oh ma phobie. Les gens qui ont leur ordinateur, quand tu l'ouvres, il y a 1000 dossiers, on voit même plus le fond d'écran. Si vous faites ça, franchement, ce vlog, ce moment, cette séquence est pour vous. C'est un signe, rangez vos dossiers s'il vous plaît, c'est pas possible. On a à moins d'une semaine de la rentrée, tu peux pas commencer ta rentrée sans qu'on voit ton fond d'écran. Ma grande spécialité, c'est de faire tout plein de trucs, à la suite on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, et à la fin me retrouver en mode, oh bah j'ai pas savouré. Donc on va savourer. Mais vous savez ce que je ne savoure pas là actuellement? Ma gueule, mon haleine et le t-shirt que je porte. Je viens de prendre une de ces douches. Tu sais, ces douches, il faut avoir un nouveau regard sur la vie, à repenser à ta vie en général, à trouver des idées, à être inspiré. Cette douche est magique. Celle aussi où t'as l'impression qu'en lavant ton corps, tu laves tous tes péchés, ainsi que toute la saleté qui traînait sur toi et dans toi. Et je vous dis ça parce que en début d'année, je n'étais pas très bien. Mais j'avais des sortes d'épisodes assez déprimants et des fois, j'avais même pas la force en fait de sortir du lit pour prendre une douche. Je sais que ça peut paraître dégueu comme ça, mais quand il se passe des choses pas super cool dans ta tête, prendre soin de toi, c'est toujours la dernière chose sur ta to-do list de la journée. Et je dis ça aujourd'hui avec plus de recul, parfois un moment sous la douche, c'est-à-dire que c'est un moment où t'as pas ton téléphone, c'est un moment où t'es vraiment seul, t'es vulnérable, t'es nu. Donc du coup tu te retrouves vraiment au moment le plus vulnérable de ta journée. Ça permet aussi de lâcher prise. Je voulais pas faire tout un épisode psychologique sur la douche, mais mon dieu qu'elle m'a fait du bien. Et ça y est, je sens que ma batterie est chargée pour commencer la journée. Il est certes un peu tard, mais elle commence. On dit à chaque jour suffit sa peine, mais il y a des journées où à chaque heure suffit sa peine. Donc la douche est faite. Jusqu'à je me suis lavé les cheveux. Deux shampoings une semaine. Pour qui je me prends? Une fille qui n'a pas les cheveux secs? Je me suis laissé un peu emporter. Bon allez ta gueule. Pam 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 pam.
un sac car je dois préparer mon sac. I am preparing my bag. J'ai adopté ce tic de traduire tout ce que je fais en français ou en anglais de façon très Google Trad. Les vlogs d'août, c'est finalement Dora l'exploratrice. Je prépare mon sac car tout à l'heure nous allons à l'hôtel Mafouf car nous avons une soirée. Et quand on fait des soirées, on ne repère jamais les mains vides. C'est une famille d'arabes, on sait recevoir. Donc on prépare des petits cadeaux pour les participants pour créer un bon d'achat pour les gens qui seront invités. Hop là, preuve à l'appui, c'est ce que j'étais en train de faire ce matin. Donc j'ai ça, faudra qu'on les imprime pour les donner en main propre. Mon appareil photo jetable pour faire des photos d'ailleurs. Des cheese. Oh, vous êtes beau. Posez-vous. On a ça. Pourquoi il y a un bouchon de champagne dans mon sac? Et je ramène ce jeu à l'hôtel Mafouf. On a un petit plateau, tu sais, avec des jeux pour que les gens puissent prendre un jeu de cartes et pouvoir jouer pendant qu'ils mangent, pour pouvoir chiller à l'hôtel Mafouf tout simplement. Et je viens ajouter à notre boîte à jeux aux les mains que je viens de recevoir. Et je suis méga ravie de vous annoncer que les mains sponsorise ce vlog d'août. Un vlog d'août sponsorisé. I know. Proud. Olema, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu français. Oui madame, et ça a été créé par une bande de potes. Et Olema, c'est un jeu qui est en 3D, en physique, mais c'est aussi une application mobile. Avec Marc, on a saigné l'application mobile. Et un de mes plus grands fous rires avec Marcus, c'était en jouant à ça. Il voulait juste me faire deviner le mot cha-cha. Et c'est parti en fous rires, mais genre... Et je vous dis deviner un mot puisque le concept de haut les mains, c'est tout simplement de faire deviner le mot que tu as. Et par tous les moyens. Ça peut être du mime, ça peut être du chant, des imitations. Et puis après, selon le groupe de dodo que tu as autour de toi, ça peut être absolument tout et n'importe quoi. Tout est bon pour faire deviner un mot, une célébrité, une chanson, un film. Ils ont même une catégorie sur l'application Friends. Allô. Bref, on va profiter de la fin de l'été. Je mettrai dans le café, vous serez libre d'y jouer. Et nous on va y jouer ce soir. Oh les mains, merci pour le fou rire, je m'en rappellerai. Et allons jouer. C'est l'heure de faire... Ouh, ouh là là, ouh là là. Ce jean ne va nulle part. Hop là. Ah, là on peut s'asseoir. Nous pouvons passer au montage du jour. Non, ce n'est pas un verre de vin. C'est du coca dans un verre de vin. Enfin, vous êtes nouveau ici? Je ne me répéterai assez, mais le coca a un goût différent dans un verre de vin. C'est un secret d'état. Lunettes bleues, car on mérite d'avoir une bonne vision. Oh mon dieu, mais je suis désemparée face à ma gueule là. Non, c'est pas mieux. C'est pas mieux et mes cheveux vont prendre du temps à sécher. Bon bah allez, quand faut y aller, faut y aller. Hop là. Tiens, tiens, tiens. Qui voilà? C'était comment la première journée de travail? Trop bien. Et c'est pas trop dur après les vacances? Si. Ah, tu bois ton coca? Bah attends, chin chin, ma girl. Et c'est un vlog posté! Wouhou! Posté à l'heure en plus! Méga kiff! J'ai toujours une sorte d'adrénaline qui sort, ou qui rentre du coup, quand je poste le vlog. À chaque fois, j'ai un peu le stress, genre j'ai un peu la boule au ventre en attendant les premiers commentaires, alors que ça fait 6 piges que je fais ça quand même. Je pourrais être un peu relax du cul. Eh bien non, j'ai une petite page que je vais te montrer. C'est la page commentaires. C'est là, comme ça, et j'ai en temps direct tous les commentaires. Et comme ça, je peux tout lire. Oh, trop sympa, trop chiant cette saison. Ça commence bien. Putain. Yeah! Allez, un autre. Désolée, je veux pas être méchante, mais malheureusement, je suis déçue des vlogs cette année. Allez, on se concentre sur les autres commentaires et n'ayons pas peur de grandir. Allez, on a d'autres choses à faire que se lamenter. Eh oh! Oh! Ça va? Oh, tu sens la crème pour bébé? T'as mis la crème hydratante? Non, oui, je me suis rasée. Bah, dis-leur bonjour, ça fait longtemps que t'as pas bonjour. Vu. Bonjour, c'est vrai, hein? Alors qu'il se passe plein de choses là. Les amis, merci beaucoup. Ah, oh, je suis essoufflé de l'escalier. Je reçois plein de messages là. Il y a plein de gens qui découvrent mon album. Il y en a qui savent pas, mais toutes les musiques que je mets depuis le début des vlogs d'août, c'est ce monsieur. C'est ce mister. Mais vous êtes des milliers là à découvrir. Et en vrai, c'est trop bien. Est-ce que tu serais pas monté dans le top? Oui. On est dans le top 10 viral France, c'est-à-dire que c'est le 10e morceau le plus viral en ce moment en France. C'est beau hein, parce que faire de la musique c'est un métier compliqué hein. C'est plein d'étapes, c'est plein de hauts, de bas, de désillusions, de hauts, de bas, de bas, de droite. De gauche, de diagonale. En haut. Oh voilà. En bas. Tous les chanteurs, à tous les musiciens, à tous les compositeurs, force et courage. Et j'ajoute que si on passe numéro 1 du top viral, je fais un concert dans l'hôtel Mafouf. Je vous laisse avec ça. Plus fort, plus fort. C'est la tempête, mais plus fort que ça.
qu'on n'irait pas à l'hôtel Mafouf par exemple? Ah bah super. Juju était en concert et il nous revient. Et qui dit Juju dit ambianceur de la soirée. C'est l'homme qui peut te mettre une ambiance de malade dans n'importe quelle soirée. Franchement, on pourrait organiser, on pourrait faire un DJ set dans une association anti-musique qu'il arriverait à les faire danser. C'est mon meilleur élément en soirée. Il arrive, ça danse, ça chante et ça joue. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va danser, on va chanter, on va se rencontrer et on va jouer. N'empêche, j'ai trop hâte quand je serai vieille de regarder ses vlogs. Je me dirais, c'est cool, il était trop bien notre été 2022. On va voir Rihanna. Il ne veut pas accepter l'information. Il m'a dit qu'elle était là. J'ai dit qu'on faisait une soirée Fenty Beauty, j'ai pas parlé de Rihanna. Julien, Rihanna ne vient pas. Mais si, Fenty, c'est la marque de Rihanna. Ah, attends, Rihanna, on arrive, désolé si t'as vu ce vlog, on était en retard parce que je mettais du gloss. Et c'est nous qui allons garder le bébé ce soir, d'ailleurs, t'es au courant? Voilà, alors là. Paris is magic. Rihanna, comme tu regardes ce vlog, j'avoue. Ça, c'est les Tuileries. On dit les Tuileries. Bonsoir. Est-ce que vous passez un bon moment? Super! Est-ce qu'on boit bien? Oui! On mange bien? Oui! Make-up on pic? Magnifique! Allez, papa! Cette soirée est purement false. Je vous amène clairement dans le carré VIP, hein, on peut le dire. Hein. C'est ici que ça se passe. Il y a clairement des bouteilles qui arrivent avec des feux d'artifice. Allô? Fou rire, garanti. Garantie en une minute chrono. Let's Je go. Veux voir si c'est vrai. Ouais, ok, ouais, tu dois te mettre devant le miroir. Attends. Mais. Il y a pas de bruit. Le son, allez, la oui, quelqu'un l'a dit, mais moi qui l'ai dit. J'avoue, c'est elle, je lui ai pété à son Comment tu t'as dit? Hein? Non, en hauteur, mais toi, tu n'as rien. Vous êtes la meilleure à jeu à tous les coups. Ah, saut en hauteur. You go, girl! Elle est incroyable. Ça se voit, saut en hauteur, les gars. Je suis dégoûtée. Un plongeon. On a des nouveaux arrivants dans la partie. Tu l'as gagné. Merci. Là, je m'y Ouais. Juste oui. Merci. Merci beaucoup. Manutention. C'était passé l'aspirateur. J'accepte pas. Ok, j'espère que vous allez comprendre. Des chaussures stylées. Oui. On était deux à jouer au final. On va jouer à deux, tu vois. Et on était deux. Regardez. Faut rire garanti en une minute. Alors, elle était comment, Rihanna? Alors, je crois l'avoir vue, mais je suis pas sûre. Ouais, si, elle était là. Dommage, vous avez pas vu quand Rihanna était là, ma caméra avait plus de batterie, du coup, je pouvais pas filmer. Ça veut dire que même dans le 17ème, c'est aussi toi la mère. Mon pote, il m'appelle la mère de Paris. Mais genre pas la mère d'Anne Hidalgo. La maman de Paris. I am la daronne de Paris. J'adore Paris. Je comprends qu'il y ait plein de gens qui n'aiment pas Paris. Et d'un côté, je vous comprends pas parce que c'est magique, tu vois, cet échafaudage.
Il est magique. Voilà. Wow. C'est so dangereux. Ah bah tant pis, Rihanna te donne un cadeau. Elle est passée. Purée. Elle est là, ouais. Mais ça aussi je l'ai pas filmé. Ah, Rihanna. Merci Riri. Un gloss. Ok, déjà tu m'as donné cette information. J'allais dire un rouge à lèvres. Blush, attends, blush c'est les yeux. Non, c'est ça là. Ouais. Les gars, on dirait un film apocalyptique. Il n'y a personne. On est vraiment seul. Je suis trop contente qu'on ait fait cette soirée. Je te jure. Parce que vraiment, je passais... c'est pas que je passais une mauvaise journée, mais c'est que je voulais rester un peu au calme et tout. Après, j'ai commencé à lire des commentaires qui m'ont miné sur les vlogs. Je préférais avant. Et moi, le jeu préféré avant, il fait trop mal. Mais du coup, ça m'a fait du bien parce que ce soir, ça m'a fait prendre du recul en mode, regarde tout le monde qui était là. Et qu'est-ce qu'on est mieux quand on est avec les gens qui nous aiment. Attends, mais excuse-moi, on arrive sur le rond-point de l'étoile là. Non, mais on est à vélo, c'est hors de question. C'est le rond-point de l'étoile, celui que Seb a pris à... Non mais on va sur le trottoir, je m'en fous. On va vivre cette expérience. Non mais t'es malade. Non mais Julien, trottoir de ouf. I am doing ce trottoir. Ce trottoir. Trottoir à donf. Vive le trottoir. Ouh, pardon. Et est-ce que toi tu te préfères maintenant ou avant? Moi-même? Ouais. Ah, je me préfère 100 fois maintenant. Parce que je suis, j'ai l'impression d'avoir eu un peu des réponses à des questions qui me gâchent l'esprit. C'est exactement ça. C'est en fait, commencer à avoir des réponses ou alors à ne plus chercher de réponses. Ouais, accepter des fois qu'il ne faut pas de réponses. Oh, à 100%. C'est ça. Mais Julien, mais vraiment, tu mets des mots sur ce que je ressens, vraiment c'est ouf. Je pense que c'est de devenir un adulte, c'est accepter que vraiment des fois il ne faut pas se poser la question. Tu vois, je me dis souvent que genre quand j'avais 10 ans, je me disais ouais, quand j'aurai 20 ans, je serai un adulte. Ouais. Après à 20, tu dis ouais, quand je vais avoir 30, je vais vraiment être un adulte. Et en fait, je crois que ça n'arrive jamais. Je crois qu'on continue juste à être des enfants qui grandissent. Et au bout d'un moment, on fait bon, bah, ok, tu vois. Je crois que c'est juste à partir du moment où t'as un enfant et que tu lui laisses à lui, oh, wow, son âme. Ouais, on n'y est pas encore, on n'y est pas encore. Viens, on fait du vélo, allez, pouette, pouette. Allez, pouette, pouette, salut. On est sur le trottoir. Oh my god, chaque partie de mon corps est serrée. Mis à part mon t-shirt qui est flex, je suis serrée, mais. Oh, en mode patata dans mon jean. Oh. Je suis serrée. In my fit. Oui. Oui, vous avez le droit de me dire que mes chaussures sont sublimes. Et oui, elles sont aussi inconfortables qu'elles en ont l'air. Mais d'habitude. Vas-y, tirez-vous. Je peux plus. Purée. Je pense qu'il y a mon pied qui va partir avec la chaussure. Oh. Ça, c'est ma taille avec mes bottes. Ça, ce sont mes bottes. Donatella, quand tu fais des chaussures la prochaine fois, mets-moi une petite fermeture éclair. Ouvrez-les-moi avec un chausse-pied. Est-ce que je commande à manger à 3h du matin? Puisque mon frigo est vide et j'ai même plus de cornichons. Là, c'est vraiment la fin des haricots. La fin des cornichons. Est-ce que je me commande à manger? Non. Oups. Boire de l'eau quand t'as soif. Un cadeau. Mais pas quand t'as soif. Quand t'as soif. C'est pas pareil. Oh, elle est toute chaude, mon eau. J'ai récupéré des lettres à l'hôtel Mafouf. Oh, c'est beau. Je vais voir comment c'est. Oh non. C'est Mathis qui m'a invité à son anniversaire. Mathis, je suis désolée de ne pas pouvoir venir à l'anniversaire. Et je te fais des gros bisous. My, oh my. Aïe aïe aïe. Wow, une drama queen. J'ai vraiment juste marché sur un cintre. On a des choses à faire. Il faut qu'on trie ce dressing. Enfin, moi je vais faire et vous allez regarder. Puisque, à part regarder le vlog, vous m'aidez pas beaucoup. Je rigole. Tu pourrais quand même venir un peu m'aider à ranger de temps en temps. Non, un peu. Ranger au moins le cintre. Oh non, j'ai cassé le cintre. Ça m'apprendra à vous agresser. Alors, je vous annonçais que je devais déménager. Et vous l'avez mieux vécu que moi, je crois. Vous perdez pas le nord, par contre. Parce que quand j'annonçais que je déménageais, tous les commentaires, yes! On va avoir de nouvelles vidéos déco! Alors oui, laissez-moi faire mon deuil et après on aura une nouvelle vidéo déco. Mais c'est vrai que vous voir tout en jouer et entraîner, je me suis dit qu'en effet, en fait, c'est juste un nouveau chapitre qui s'ouvre. Et que même si j'étais prête à le faire, bon bah, allons-y. C'est là, c'est là. Donc, ça me fait quand même bizarre de me dire que tout ça va disparaître et qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir vivre ici. Enfin, c'est chez lui, tu vois. Plus que chez moi, mais bon.
chelou un peu quand même. Et on va commencer petit à petit à trier, à vider. J'ai toujours pas trouvé d'appart, mais on va commencer petit à petit à faire les choses, parce que je me dis que si je fais tout d'un coup, ça va être le bordel. Encore plus le bordel que ce que c'est déjà. Et aussi, ça tombe bien puisque je sais pas si j'en ai déjà parlé. Non, je crois que j'en ai pas encore parlé. Mais avec mon papa, depuis 2 ans, on essaie d'installer une association qui serait pour aider les étudiants et toutes les personnes qui sont jeunes, ont plein d'ambition, mais qui parfois sont bloquées par un élément perturbateur qui fait vraiment chier, l'argent. Et c'est pour ça que je voulais créer une association qui s'appelle Toujours Plus, en rapport en fait avec le livre. C'est quand j'ai sorti mon livre Toujours Plus que je me suis rendu compte qu'on était plusieurs à avoir été dans cette situation de vouloir faire tout plein de choses mais être bloqué par un élément, et d'autres personnes sont plus privilégiées que d'autres. Moi je suis peut-être plus privilégiée qu'une personne, mais l'idée de cette association c'est d'aider des étudiants, des personnes qui sont pas forcément en école ou quoi que ce soit, mais qui ont envie d'apprendre des choses, qui ont envie d'essayer des métiers, qui ont envie de créer, qui ont envie de proposer des concepts, des projets, etc. mais qui vont être bloqués par le prix des écoles, par le prix des formations, qui vont être aussi bloqués parce qu'ils sont pas forcément nés dans le meilleur endroit. Donc on va trier ce dressing pour la première collecte qu'on fait pour l'association. On aura des vêtements, on a des produits avec les marques avec qui je travaille, et je vais essayer petit à petit de faire de plus en plus de choses, mais l'idée c'est de faire ça, voilà, pour l'association, et tout simplement essayer de donner, parce que quand tu reçois, tu donnes. Allez, rangement activé. Un jean blanc et je me colle par terre. Et ben voilà, encore un vlog qui se termine à 4h30 du matin. Ça c'est mon truc, ça, j'adore faire des coloriages de petits détails, de mandalas, de trucs et tout. Ça me fait trop du bien dans ma tête. C'est très cliché, je sais. J'ai vraiment apprécié passer ce moment. Le fait de vouloir toujours idéaliser le passé et le futur. Je pense qu'il faut qu'on se donne du love au présent. C'est valable pour moi, mais c'est valable pour vous, hein. Ça s'adresse pas qu'aux youtubeurs, ce type de phrase. On a tous ce truc de c'était mieux avant. Et parfois c'était mieux, vraiment mieux avant. Mais je pense qu'il faut pas laisser les gens qu'on connaît pas nous dire comment on devrait agir et quelle version de nous-mêmes on devrait être. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et moi je vous dis à demain, puisque les vlogs d'août, c'est tous les jours. Check the coude. Elle était comment, Rihanna? Rihanna, sublime comme à son habitude. Son gosse, je l'ai porté. 1, 2, 1, 2, 3. So small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure.